les coups sont permis dans Wukong. D'y avoir un chemin, mais je peux pas y accéder par là. Et là, j'imagine qu'on rebrousse chemin, à moins que ça soit un cul-de-sac. D'accord. Ok, franchement, je l'avais même pas vu. Le passage ici. Il y en a un qui bouge là. J'entends des petits bruits suspects. Par là, je peux... Non, je peux pas. Ah bah le voilà le singe. Putain, dis donc, t'as un... T'as une belle épée là. Oh, direct, hein. Ok. Ça, je m'en doutais. Ah oh, putain, dis donc, ils ont quand même bien résisté. Bon. Je pense que le feu, tu vas beaucoup moins apprécier. Le chef macaque. Ben, je t'ai macaqué, hein. Je t'ai vraiment macaqué. 1600, ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. Quand c'est vraiment bizarre qu'on puisse pas avoir quelque chose qui remonte le mana. Il n'y a pas de fiole. J'ai regardé les remèdes, il n'y en a pas. Pour l'instant... J'ai rien trouvé qui me permet de remonter le mana. Ce qui serait vraiment ultra pété. Puisque tu remontes ton mana, tu essayes de réduire les cooldowns et tu enchaînes un maximum tes sorts. Ce serait pour moi un truc giga pété. Bon, peut-être par la suite, hein. Peut-être par la suite. Le jeu nous réserve pas mal de surprises, on l'a vu, avec pas mal de secrets, donc... Ok, chauve-souris. D'accord, donc là je prends le gel. Alors, le choc, en fin de compte, c'est l'électricité. Donc c'est vrai que j'étais pas habitué à ce terme de choc pour l'électricité, mais voilà. Brûlure, bien sûr, c'est le feu. Etc, etc. Le poison, le gel. Mais donc le choc... C'est la foudre. Ok, là-bas il y a un guerrier qui nous attend.
il y en a un deuxième. Donc. Ça m'a l'air d'être des archers là, les mecs. Hein. Ouais, c'est des archers. Je vais me débarrasser de celui-là, là, déjà. Alors, je pense que là, vraiment, au monde de la glace, le loup de feu risque d'être très, très, très intéressant. Donc là, si je peux pas le prendre, c'est qu'il y a encore un... Il y a un monstre pas loin. Ah non, bah non. C'est vrai que c'est parce que quand je suis en transformation, je peux pas ramasser les objets. Donc on a vu un peu le pattern. Ça y est, tu m'as vu direct. Ok. En train d'appuyer sur le... Voilà. Prends le coup de boule. Oh, le coup de tête que je t'ai mis. Ah ouais, non mais là c'était violent. Hein. Ça c'est ce qu'on appelle un coup de boule dévastateur. Bleh. Du bouddhisme, du bouddhisme. Donc on a une énorme porte de ce côté avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être même plus. J'imagine que la porte, non, je vais plutôt passer par là. Ok, un petit coffre. Putain, elles sont cheloues, on dirait des petits diablotins. Ok, de la thune. Mes petites papates.
Une grande étendue comme ça. Ouais. Graines de clochette de feu. Ah, si on me parle de feu dans un monde de glace, tout de suite ça m'intéresse. J'ai cru qu'il y avait un petit truc, mais non. Ouais, ah, voilà. Je me disais, c'est bizarre. C'est quoi ça? Une transformation? L'objet de tes désirs. Act not and be still. Thy gifts are thy ill. If you seek your own end, I shall not stop you. I, the keeper of the new west, welcome the destined one. Now fly! Excellent. Donc, wow. Je te suis. Ouais, de toute façon, tu peux. Non, tu peux pas la diriger. Ouais, elle suit automatiquement le. Le faucon à tête de Bouddha. J'imagine que là, je pars dans une autre zone complète. Où il me montre l'étendue de la map. Le chemin à prendre, je sais pas. Tu vois ce temple? C'est là que se trouve ce que tu cherches. D'accord. Alors, par contre, ce qui est quand même bizarre, c'est que bon, j'ai peut-être raté des choses, mais c'est pas grave, on y reviendra, au pire. Je vais seulement revenir, voyons un peu en arrière, donc je peux pas revenir plus loin que là, de toute façon. On va fouiller un peu ça. Quelques plantes, je dirais pas non. Oh, là-bas, ça serait pour augmenter ma poire céleste. Ah non, je pensais que c'était vraiment quelque chose pour augmenter la gourde, mais non. Yeah.
Donc il parlait d'un lac. Très bien. Donc le lac, il est ici. Avec cette petite maison en plein milieu. Là-bas, il y a un truc de méditation. Ok, ça, je vais y aller. Non, je vais y aller tout de suite. Parce que est-ce que je peux y aller sur ces plaques de glace là? Ça m'a pas l'air très solide. Calme avant la tempête. Un objet important, donc c'est chouette. Encore une cascade. Oula, oula. Est-ce qu'il y aura un secret éventuellement par là? D'accord. Ah ok, ils m'ont mis en plein milieu de la zone. Donc là, il y aura un boss. Je serais pas étonné. Oui, il y a quelque chose en dessous là. Une chose, une grosse baleine, qu'est-ce que c'est ça? Non, non, mais là il y a une grosse bébête là. How delightful. It still recalls your scent. When that monkey was alive, he was all about weeping and begging for help. Now, even in death, he led all you younglings right to me. This sack of mine can barely fit you all. Kung Jinglong,
Now that you are ready, go and weigh up this one for your master. Wow. Il est magnifique, le dragon. Il est magnifique. Illusion parfaite. Ah ouais, d'accord, direct. T'es sérieux? T'es sérieux? J'ai même pas bougé. Attends. Non mais sans déconner, j'ai même pas bougé. Il m'agrappe. Boum, finish. Ok, super. Bon. Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, bah on sait que là, il y a un gros dragon. Hein, on va voir si on peut pas faire un petit tour ailleurs. Hein. J'ai même pas vu un de ses patterns. J'ai rien vu. Et le truc qui te grappe, boum. Au revoir. Je vois, en plus je vois pas grand chose comme autre lieu. Oh putain, dégage toi. Après il donne pas mal de ressources. Hein. Bon, il m'en a donné 4. Bon, c'est toujours ça. Non mais là je vois. Je vois que le dragon là. Donc il faut battre obligatoirement le dragon ou alors revenir en arrière. Et aller dans un autre endroit. On va réfléchir. On va pas se précipiter, ça sert à rien. Non, là-bas, il y a l'air d'y avoir aucune entrée possible. Par là non plus. Ouais. Il est où le check là? Putain, c'est pas évident à se repérer là non plus. Hein. C'est pas évident du tout. J'arrive plus à retrouver le check. Il est là. Ok. Donc. Je vais repartir au début parce que il y a la porte où j'étais pas allé, ça serait peut-être la suite. Et le dragon là éventuellement par la suite, mais vu les dégâts qu'il faisait. Bon, après j'avoue que j'ai été un petit peu surpris. Je vais pas trop m'embêter avec eux.
ils sont vraiment sympas, c'est qu'ils te font pas, les mômes ne te suivent pas. Dégage toi. Ah, je vais venir après, putain. Putain, je suis passé à deux doigts là. Viens l'enfoiré de mes deux. Je vais te péter en deux, moi. Je vais te péter les burnes. Alors là, c'était vraiment très très chaud. Je suis passé à deux doigts du dead là. Putain, dis donc. Mais qu'est-ce qu'ils font les... C'est la merde là. C'est la merde complète, mais... J'arrive jamais à me souvenir du mot. Ah, mais double. J'ai vraiment du mal avec ça. Hein. J'arrive pas à retrouver ce mot, mais double. Bon, bah, ça m'a servi strictement à rien. Ils se sont fait éclater. 1, 2, 3. Il y a 3 plus celui du milieu. Alors, ce que je vais faire, toi je te fais ça, et là je vais essayer de m'occuper le plus rapidement de cela. Voilà, j'en ai pété déjà deux, il en reste encore deux là-bas. Allez, viens, viens là toi, viens par là. Je te réserve une petite surprise. Le coup de boule fatidique. Oh putain, dis donc, tu lui en as mis moins que l'autre. Ah oui, d'accord, mais parce que lui... Il veut pas venir. Si, 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 tu vas venir. Putain. Là, t'as des mobs qui sont vraiment beaucoup plus rapides que le singe. Hein. Vraiment. Hein. Beaucoup plus rapide. Lui, il a une rapidité avec son arme. C'est violent. Hein. C'est vraiment violent. Hein. Oh putain, sans déconner. Ah! Là, ils veulent vraiment, par contre, te faire chier. Hein. Je le sens. Là, c'est la zone où vraiment... Ils cherchent à que tu crèves, là. Putain, mais comme par hasard, ils font venir celui-là. Hein. Non, c'est pas toi que je veux. Le nombre d'enchaînements de combos qu'il met, c'est...
Super, donc là j'ai pris le poison. Et j'ai pas mis... Attends, je vais en prendre une. Il est fort et résistant. Oh là 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 là. J'ai même pas mis de life. Il est vraiment fort. Hein. Quelle rapidité il a. Ok, là je t'ai stun. Ok, je te re-stun. C'est pas fini. Ok, il me donne son esprit lui, j'imagine. Ouais. Ça c'est des mobs par contre, quand tu les as en NG+, où ils font des dégâts énormes, avec la rapidité qu'ils ont, c'est vraiment des mobs très 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 costauds. Ok, un coffre ici. Putain. Non, non, mais c'est un cul-de-sac, hein. C'est un cul-de-sac, le truc. Ah, j'aurais vraiment cru que là, on pouvait continuer par ici. Putain, dis donc. Alors, ils m'ont fait tuer tout ça pour... pour le coffre là. Bon, quand même. Attends, je vais quand même de nouveau regarder parce que. Bon, peut-être par la suite. Sûrement. Bon. Ouais, ouais, ouais. Du coup. Peut-être qu'il y a une suite, hein, tout simplement, par là. Je me pose la question, est-ce que je retourne rechercher du mana, c'est surtout ça qui m'intrigue. Ou est-ce que je vais avoir une cinématique qui va directement me ramener au lac? Là-bas. Donc, il t'emmène au lac et après, je pense que j'ai bien fait de revenir par là. Ah, tu demandes toujours dans le jeu vu que tu peux être bloqué assez souvent. Par des murs invisibles. Tu t'es dit est-ce que je vais pouvoir quand même y aller ou pas? Ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Non, non, non. Non, mais globalement le jeu. Non, le jeu veut pas que tu y ailles.
Voilà. Bon, bah, le jeu te dit non. C'est voilà, c'est ça que je trouve. Que je trouve vraiment pas ouf. C'est voilà, t'as pas de liberté du tout. C'est le jeu te dit là, non, bah cette zone t'ira pas, mon gars. T'y as pas accès, et en tout cas pas maintenant. Faut que tu retournes au lac et que tu battes le dragon. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Et bof, ça c'est très bof. Pour moi, c'est ce que j'aime le moins dans le jeu. Là c'est pareil, tu crois que tu peux y aller, mais que dalle, tu peux pas y aller là. Bon, bah ok. Bah globalement dragon, hein, c'est tout. Hein. Le dragon de glace. Attends, il n'y a pas un truc, je vois un petit faisceau bleu là. Non, j'ai cru. J'ai cru voir un petit faisceau bleu, mais... Ok. Non, puisque là, il n'y avait rien non plus. Bon, bah ok. Ok, ok, il faut vraiment retourner vers le lac. Je vois pas d'autre endroit. Je vais pas m'embêter. Je vais utiliser. Je vais utiliser ça. Ouais. Ouais, c'est surtout que j'ai pas récupéré énormément d'objets pour le moment. Donc, dragon de glace, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc ça, de toute façon, c'est celui que j'ai monté le plus. Hein. Donc, je vais le garder. Ici, on a immunité à la brûlure, donc ça sert strictement à rien. En bâton, on va voir si je peux pas crafter quelque chose. Ce serait peut-être intéressant. Une arme, non? Et une armure. Donc il y a celle-ci. Réduction des dégâts considérables qui me donne à plus 13 quand même. Feuille de fer froid. D'accord, donc on passe sur du violet là. Ouais. Résistance au gel. Ouais. Et donc là, consommant des points de concentration augmente modérément les chances de coups critiques. Pas du tout, du tout, ce chapeau. Il me plaît vraiment pas, ça fait une tête de vieille sorcière.
vraiment dégueulasse. Défense, ok, par contre c'est toujours bon. Allez, on va crafter ça. Éventuellement, ce que je pourrais, donc il fait des dégâts de froid. Donc éventuellement. Ah d'accord, par contre ils m'ont. Yes. Ils m'ont remis plein de matos là. Très très bien. Supprime instantanément l'état de gel. Augmente signé. Ouais bon bah ça va bien sûr. Bon, ben on va aller faire le dragon. Hein. En tout cas, on va l'essayer. On va regarder un peu le pattern. C'est des dégâts de gel qu'il fait ou de foudre hein. Je pense que c'est du gel. Putain mais... Comment ? C'est légèrement abusé là, cette attaque. Pas mal, c'est qu'au niveau dégâts, c'est pas trop pourri. Ouais, par contre, lui, il fait des dégâts, mais de psychopathe. Hein. Par contre, ah
Pour esquiver ses attaques, c'est vraiment... C'est pas évident, hein. Il faut vraiment connaître le pattern. Attends. Des cibles là, parce que là, je vois rien du tout au niveau du sol. J'ai plus de mana. Il va me faire une attaque. Il est stun à moitié. Putain, dommage. Ok, j'ai un peu plus capté le pattern. Ok, non mais c'est pas mal, j'ai capté un petit peu plus ce qu'il faut faire. Alors le top, c'est au moment où il tombe là, tu passes en phase de feu et là tu lui envoies une décharge de dégâts. Ça peut être vraiment intéressant. Alors je sais pas si c'est pas plutôt de la foudre hein, qu'il envoie là. J'ai bien l'impression que c'est de la foudre hein. Donc état de choc, plutôt mettre ça. Allez, c'est parti. Il faut vraiment qu'il soit bien positionné pour envoyer l'immobilisation, sinon elle sert strictement à rien. Non, tu m'attaques pas. Oh putain! Oh putain, par contre là. J'ai fait l'esquive là, mais... Là il est séché là? Ouais. Là il est séché. C'est là que maintenant il faut envoyer. Rien du tout, je vois que dalle là. Ok, j'ai déciblé, mais même je décible, mais je vois rien. Je vois rien du tout, putain. Vas-y, décible là. Oh là 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 là. Alors, franchement, les clones, je vois pas l'intérêt de les mettre.
Oh. Je suis dead là. Franchement, si là je le sèche, non, après ça serait vraiment un miracle. Ah, si là je le sèche, c'est oufissime. Ah, c'est oufissime, les gars. C'est énorme. Oh putain, ah, sans déconner, c'est énorme. Franchement, j'avais presque posé la manette. Je me suis dit, c'est terminé. Et non, jusqu'au bout. C'est un mauvais rêve ou quoi? Que se passe-t-il? Le royaume de la pagode. Corne du nuage étoilé. Je connais cette puanteur de singe. C'est quoi ce saut là? Ok, il m'a redonné toute ma barre de vie. D'accord. Donc là, on doit avoir un check dans pas longtemps. Bon, tu te calmes toi. Petite chauve-souris de mes deux. J'ai pété un magnifique dragon. What? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain. Je vais essayer d'aller au checkpoint. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, dégage! Dégage de là, mais... Mais putain, mais c'est quoi ce truc? J'ai pas compris. J'ai rien compris, là. J'ai rien compris. Bon, je sais même pas où ils vont me remettre. Je voulais stopper la vidéo parce que ça fait bientôt une heure. Et voilà. Ok, d'accord. Ils me remettent là. Bon, bah vous savez quoi? Je vais m'arrêter ici et on verra la suite, mais j'ai l'impression qu'on est passé dans un monde parallèle. Je vais aller jusqu'au check et puis on se revoit à ce niveau-là dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao à tous.